Salut les toqués. Donc aujourd'hui, dimanche 20 juin, on se retrouve pour la fête des pères. Ouais. Bonne fête, papa. Bonne fête à mon papa personnellement. Et au mien aussi. Donc on part sur un petit finger. Petite barre chocolatée moulée. Au café. Exactement. Caramel café, un petit crémeux café. Et la décoration, on leur dit pas trop. La petite décoration, en tout cas en rapport avec la fête des pères, bien entendu. Et un petit croustillant, spéculoos, parce que c'est très important d'avoir un petit croustillant dans une barre. On attaque direct, c'est parti, on commence par quoi? Chocolat. Vous avez dit chocolat. Chocolat! Alors dans le cul de poule, on a du chocolat. On va le tempérer et on vous retrouve tout de suite pour le moulage. En attendant qu'il soit mis au point, j'ai cotonné mes moules pour pouvoir faciliter le démoulage et avoir une brillance supplémentaire tout simplement. Vas-y, hop, tac, on coupe le bout si je peux me permettre l'expression. Les coques de chocolat sont en train de cristalliser. En attendant, on attaque directement le crémeux café. Donc pour ça, on a mis des grains de café avec de la crème qu'on va faire bouillir. Pendant que ça boue, on va mélanger les jaunes et le sucre, donc c'est-à-dire qu'on va les blanchir. Et lorsque ça boue, on va verser cette crème chaude au café, du coup, dans le mélange blanchi. Après, du coup, on remet dans la casserole, on fait cuire à 83 comme une crème anglaise. Exactement. Et à la fin, on ajoutera la gélatine, on laissera reposer au frais, on pourra l'utiliser. Le crémeux café, il est terminé. On va directement le filmer au contact et passer à l'étape suivante qui est... Le caramel au café. Ouais. On attaque directement le caramel beurre salé aromatisé au café. Steven, rappelle-nous la recette. Une casserole, du sucre, on met le sucre dans la casserole. On va faire un petit caramel bien coloré. On déglace avec le beurre et la fleur de sel. On ajoute la crème. Dans la crème, on avait infusé en fait des graines de café. Bon. Ça fait 24 heures que ça infuse. On va le chinoiser et on déglacera avec ça. D'ailleurs, la tasse. Voilà. Le caramel est au frigo. Exactement. Donc on part tout de suite sur le... croustillant praliné spéculoos, bien entendu. Rappelle-nous comment on fait ça. Des spéculoos écrabouillés. Ensuite, on ajoute le praliné et le beurre de cacao qu'on va faire fondre. Bon, cette fois-ci, je le fais pas fondre. Je vais m'en occuper. Oui. Ah, c'est parti, je vais verser directement le croustillant. Tu vas directement l'étaler bien finement. Allez, go. C'est parti. On rappelle que le praliné noisette est fait bien évidemment maison. Alors on va faire des moustaches en chocolat. Et c'est la caméraman qui nous les a coupées, encore une fois. Il y a plusieurs formes différentes. Et du coup, on va pouvoir utiliser les moustaches et on va les mettre sur la petite barre qu'on aura bien évidemment démoulée, si ça se démoule. Donc là, on a rajouté une deuxième feuille guitare et on va mettre du poids. Bah, c'est quand ça cristallise, ça a tendance un peu à... Ouais, à gondoler un petit peu, c'est juste que ça reste bien plat parce qu'on les a fait quand même relativement fines. Pendant que le chocolat est en train de cristalliser... Vous pouvez commencer à liker le moustache. À vous abonner également. Et la petite cloche. Et le petit commentaire. N'oubliez pas les réseaux, Facebook, Instagram. Tous les éléments de la barre chocolatée sont finis. Donc là, je vais tout de suite le détailler. Alors, on va faire des petites barrettes de 10. Tu t'y connais, hein, barrettes de 10, hein? Bon, je connais pas du tout. On part direct sur l'obturation des barres chocolatées, c'est-à-dire qu'on va venir les fermer avec une fine couche de chocolat tempéré. Et là, je vais tout de suite décristalliser une petite partie du chocolat pour que ça puisse bien figer correctement et on le démoulera comme ça facilement. C'est bon, les fingers sont totalement finis. Là, on va procéder au démoulage. C'est parti, je vais enlever la petite feuille qu'on avait utilisée pour obturer, qui se décolle plutôt bien. Bon, on pose les moustaches tout de suite sur les barres, là. Je les mets bien droite, hein. Ouais. Vas-y, je le dis. Bah, normalement, c'est ma phrase, mais vas-y. Oh. Oh. Ah. Psst. Ah. Il y en a partout. Bon, on passe tout de suite à la dégustation, le meilleur moment. Bah moi, oui, je veux le manger en finger. Moi, je vais quand même couper pour voir l'intérieur, pour vous montrer l'intérieur. Fais attention avec ton couteau. Ce serait bête que tu me tailles la moustache.
Elle m'a fait rire en vrai. Bon bah c'est parti, moi je l'ai coupé en deux, toi tu peux croquer direct dedans si t'es chaud. Bah moi je veux le manger comme un finger. Moi je veux voir un peu l'amertume du café, tout ça, est-ce qu'on le sent, est-ce qu'on le sent pas. C'est parti. Ça se mange trop bien. Petite goutte de caramel, vraiment ça. Le café on le sent, mais c'est pas amer du tout, c'est hyper agréable, non, c'est vraiment bon. C'est vrai que le spéculoos, je joue un petit peu, mais... léger, tu sens bien le chocolat lait, le café, le caramel. Bon c'était parfait, encore bonne fête papa. Le check final. J'ai bugué mon gars. Oh non, il a claqué la main juste pour faire le bruit, ça n'a pas marché en plus. Mal. Petite barre chocolée. Non mais c'est sérieux là, tiens. Vas-y, on peut-être. Ça veut dire que genre, c'est caca. Abonnez-vous.